matin, en tout cas, bon, 1er décembre, j'avais préparé le mois de décembre en m'achetant des calendriers de l'avant-fête. C'est pas le temps des fêtes sans un calendrier de l'avant-Noël. Qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais ouvrir la case du premier de tous ces calendriers-là. Revenez demain pour voir la suite. Moi, plus jeune, j'avais surtout des calendriers au chocolat. Hein? J'ai jamais eu un calendrier de Lego ou des trucs cool de même. En tout cas, on va passer les calendriers un par un. Je vais juste vous faire une petite présentation. Donc, le premier qui est un calendrier mini brands. Hein? Vous savez comment j'aime ces produits-là. Dans ce paquet-là, on va avoir 6 exclusifs. Donc, 6 thèmes qui vont être juste dans cet ensemble-là. J'ai un de Star Wars Lego ici. On en a un ici pour le chat. Gâterie des fêtes, hein? 24 festives portions. Ah ben, ta... Il y a juste 2 sortes de produits là-dedans. Je pensais qu'on allait en avoir 24 différents, mais non. Vette diète, vous me décevez. C'était pas celui-là que je voulais à la base, en plus. C'était celui-là, le Purina. Je voulais le Purina. Il y a des petites cannes. On a un ici avec des Hot Wheels. Je pense pas que c'est l'édition de cette année. Je pense que c'est l'édition de l'an passé. Je suis pas certain, là. Mais en tout cas, c'est des Hot Wheels, ça va être cool, pareil. On a un Batman parce que hein, j'aime beaucoup Batman. Et un de Fallout parce que je suis un gros fan de Fallout aussi. J'en ai vu même sur Internet que c'était des outils. Un calendrier d'outils. Peut-être l'année prochaine, hein? Revenez l'année prochaine, vous allez voir si j'ai le calendrier d'outils. Je pense qu'on va commencer à ouvrir les calendriers. Bon, on va y aller avec le premier. Je vais y aller par ordre de, que je suis le plus excité d'ouvrir. Fait que le premier, le Mini Brands série 3, hein, avec 6 exclusivités. On va ouvrir ça. J'ai le Trudeau aussi. J'espère que c'est pas vraiment ces affaires-là qui en arrière, c'est cave parce qu'on voit directement c'est quoi. Le premier, on va y aller. Oh shit, ok, nice! 1er décembre, on a pogné des Golden Crispy Crips. Sweet slang with sugar bear. Il y avait l'air d'avoir aussi quelque chose d'écrit. Real shopping brands that fits in your hands. Ben oui, j'imagine que les chiffres en or, c'est qu'on va avoir des produits en or. On va le mettre avec les autres parce que, oui, je commence à en avoir une pas pire collection. Alors, Golden Crips. Voilà. 1er décembre, du Mini Brands donne. On va y aller avec le calendrier de Fallout, hein? Ouvre ta vôtre de surprise. Des petits ornements de papier, des recettes, des mini-livres. Inspiré du jeu qui a gagné plein de prix, hein? Fallout. On va y aller. On va essayer de trouver le premier. C'est quand même vraiment beau, hein? C'est cool. J'ai jamais ouvert de calendrier de même. Le premier, on a le petit Vault Boy ici, qui est en bonhomme de neige. Okay, c'est comme collé un peu. Un ornement du Brotherhood of Steel pour mettre dans mon sapin. Mon sapin qui a l'air très, très triste. On va passer à même style, mais celui de Batman, qui sont vraiment beaux les livres. On va leur donner. Hein? Je sais pas si tous les cadeaux vont être cheap à l'intérieur, mais des bien beaux livres. Donc, on va ouvrir. Voilà l'intérieur, quand même beau aussi. On va ouvrir la case du premier pour lui. La case avec Robin. C'est vraiment serré. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Season's Greeting. Batman. Donc, on a une mini réplique. Un comic de Batman. Ah, c'est pas un comic, c'est juste des covers. Donc, des covers de comics de Batman. Il serait cool à voir pour sortir, pour décorer à Noël. Voilà! Pour le calendrier de Batman, on va passer maintenant à celui de Lego Star Wars. On va avoir besoin du Trudeau. On va ouvrir ça. Oups! Ok, j'ai ouvert le 10. La case du premier est juste ici. On a vu qu'il était quand même facile à ouvrir, celui-là. On a un
petit sac Lego à l'intérieur. Je cherchais les instructions. Okay. Voilà. On va le monter. C'est ça. Fait qu'on a le vaisseau de... C'est le vaisseau de Mando, il me semble. Est-ce que c'est ce qu'on va voir dans cette set-là? Des Lego de Star Wars. Voilà pour l'ensemble de Lego. On va passer au prochain, qui est les Hot Wheels. On va l'ouvrir. Donc, on y trouve... Oups. Fait qu'on a un beau petit... le garage du Père Noël, ben oui. On a demandé de plus, puis en bas, on a une petite route. Magnifique. On a nos cases. On va localiser la case du premier, qui est juste ici. Oh, je pense que c'est une voiture qu'on va voir là-dedans, parce que c'est pas des voitures dans toutes les cases. Ouh! Un char en or! Aïe, aïe, aïe. C'est donc bien hot. T'as pas ni un. Twills en or. Magnifique. Imagine-toi. Voilà pour le Hot Wheels. Il ne nous en reste plus que un. Et puis c'est le calendrier de chat. Donc celle qui me déçoit parce que, comme je vous disais tantôt ici, 24 boîtes, 2 saveurs. Très décevant. On aurait dû y aller avec une autre marque, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour le chat. Le chat en plus est en train de manger. Il va falloir qu'on aille le. À déranger. On va sortir ça de la boîte en premier. Ok, la case premier est juste ici. Oh ouais, ça pue. Ouf! Oh, le chat est juste là. Ok. Regarde, c'est pour toi. Ah, pas de la boîte, ça. C'est-tu bon? Hey! C'est pour toi. Hey, viens! Hey, j'ai acheté le calendrier pour toi, il va en avoir de même à chaque jour, là. Puis, tu m'es habitué parce qu'il y a juste 2 saveurs. Chris, elle n'en veut pas. Non, c'est pas ça que je veux, hey, viens. Bon, ben, c'est pas mal ce qui va mettre fin à ce premier épisode de... On ouvre des calendriers de l'Avent avec Sam. Merci d'avoir regardé. Likez la page si vous voulez voir les prochaines vidéos. On va en avoir jusqu'au 25. Et Noël, c'est 25. Fait que subscribe. Juste en bas là. Merci d'avoir regardé. Bonne journée.